Ce documentaire vise à vous présenter un monde que vous ne connaissez peut-être pas. La communauté sourde franco-ontarienne. Laissez-vous surprendre par sa richesse et son importance dans la grande communauté. L'histoire de Kayashi. On a choisi d'adopter un quatrième enfant, mais il y a quelqu'un qui manquait dans notre famille. On voulait un garçon de l'âge de 2 ans et 4 ans. Fait qu'on a reçu un dossier d'un petit garçon. Il s'appelait Jurian. Il avait 2 ans et demi, proche de 3 ans. Il n'y avait pas d'oreille. Alors, je savais qu'il y avait une surdité, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour bien des parents, apprendre que leur enfant est sourd, ça vient des médecins. C'est pas toujours positif. J'ai des mauvaises nouvelles à vous apprendre. D'après les tests, votre enfant il a une déficience auditive grave. Mais avec beaucoup de travail, beaucoup de patience, puis les appareils auditifs qu'on a maintenant, il va pouvoir entendre. Mais on a déjà vu des gens faire des signes avec leurs mains pour communiquer. Pour ce qui est des signes, c'est votre choix. Mon opinion à moi, par exemple, c'est que vous devriez insister sur la parole. La surdité, on n'a jamais été exposé à ça. Il n'y a personne dans ma famille qui est sourd. Il n'y a personne dans la famille de mon mari. J'ai jamais été à l'école avec quelqu'un de sourd. J'ai aucune idée que ça veut dire. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, puis je faisais de la recherche sur la langue des signes québécoise, j'ai tombé sur un site. Il n'y avait pas beaucoup. Premièrement, il n'y avait pas grande information. Mais il y en avait un qui c'était de réseau. Le regroupement de parents et amis d'enfants sourds franco-ontariens. Puis c'est là que j'ai découvert un organisme qui a comme but d'aider les familles, d'éduquer les familles, puis d'aider avec les enfants. Puis ça m'a touchée que c'est ça que je cherchais. Je cherchais de l'aide, je cherchais de l'information. La seule information qu'on avait, ça venait des docteurs, ça venait des orthophonistes qui nous disaient qu'il fallait juste parler à Kai. Puis moi, je savais qu'il devait avoir plus et j'ai eu l'information de réseau. Leur but était de me donner de l'information pour que je fasse un choix éclairé. Il n'y a rien comme des parents pour rencontrer d'autres parents, pour dire que oui, il y a un avenir, oui, votre enfant peut apprendre, oui, votre enfant peut s'épanouir. Donnons-lui sa langue maternelle, intervenons de toutes les manières possibles pour que vos enfants puissent s'épanouir. Même s'ils ont une surdité. Tous les enfants ont le même potentiel dans la vie. Ils doivent composer avec leur surdité. Ça ne veut pas dire que c'est un empêchement, ça ne veut pas dire que ça va les bloquer à tout jamais. C'est juste qu'on leur donne de bons outils, puis ils vont pouvoir s'épanouir. Le premier outil, c'est une école. Et pour nous, franco-ontariens, cette école, c'est le Centre Gilles Léger. Johnny a... aller à l'école à Timmins. On a vu qu'il y avait différentes difficultés. On est venu visiter le centre pour une semaine. Et puis, on savait la première journée que c'était la place pour lui. C'est certain que quand j'ai appris qu'elle pouvait avoir une éducation en français et en langue des signes, c'était un peu tard. C'était sur le tard. J'aurais aimé l'apprendre bien plus tôt. Elle est arrivée dans son école spécialisée seulement à l'âge de 8 ans. J'ai finalement compris que le Centre Gilles Léger, c'est pas juste le fait qu'il y a des petits groupes, mais c'est qu'ils ont une langue.
une langue gestuelle. Ça fait que Audrey-Anne, les petits bouts qu'elle ne comprenait pas à l'école normale, bien là, on pouvait les comprendre parce qu'elle voyait les gestes. Donc, on s'est rendu compte que ça lui permettrait d'avoir son diplôme d'études secondaires, un vrai diplôme d'études secondaires plutôt que juste un certificat, ce qui était fantastique. Quand il a été au Centre Jules Léger, pour moi, c'était un gros fardeau, disons, qui a été enlevé de mes épaules. Parce que je me sentais, enfin, il y a des spécialistes, là, il y a du monde là, qui comprend la surdité. Je peux le supporter, je peux aider, mais je peux leur demander des questions à eux autres. Quand il était à l'école du quartier, je ne pouvais pas me fier à ce que le professeur enseignait. Elle ne connaissait pas la surdité. Et qui connaît mieux la surdité qu'une enseignante sourde? Alors moi, j'aime bien montrer la fierté, la culture et les croyances. Aussi, quand j'enseigne en langue des signes, je trouve que ça l'aide énormément pour enrichir le vocabulaire. Et aussi, l'enseignement en signes, en langue des signes, aide pour faire un pont et un transfert en langue française. Et puis à ce moment-là, l'étudiant peut faire un lien d'une langue à l'autre. Je trouve que les élèves sont vraiment motivés. Les enfants sourds qui vivent un peu partout isolés dans la province, ils n'ont pas accès à la communauté, ils sont vraiment isolés. Donc, quand ils arrivent au Centre Jules Léger ou à l'Institut des sourds, eh bien, à ce moment-là, ils découvrent une langue identique, une culture similaire et puis ils vont vraiment bien s'intégrer. Et puis, à ce moment-là, ils n'ont plus le goût de retourner vivre l'isolement d'auparavant. Et la conséquence, c'est que la communauté s'agrandit un peu à cause de l'école. Parfois, les jeunes arrivent, ne connaissent pas beaucoup comment prendre soin de leur corps, l'hygiène corporelle, le lavage, le ménage et des trucs comme ça. Alors nous préparons des ateliers tous les soirs, des ateliers qui sont vraiment motivants, intéressants pour les jeunes. Des ateliers, ça peut être n'importe quoi, là. Puis on fait aussi beaucoup de sorties, beaucoup d'activités. On raconte des histoires en langue des signes, en LSQ. Ça permet un apprentissage qui est très, très intéressant. Puis les jeunes aiment beaucoup la résidence. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience à la résidence. C'est fou, là, au niveau des amis, du social. J'ai appris plein de trucs. C'était vraiment super le fun. On a fait des activités, des sorties. J'ai appris à me débrouiller, prendre l'autobus. Plein d'apprentissages, là, nécessaires dans la vie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, le social aussi, très important. On ricane beaucoup, on s'amuse, on se taquine. Super. Mais voilà que la communauté sourde franco-ontarienne a son école et sa résidence. Que veut-elle de plus? Depuis une dizaine d'années, le gouvernement provincial met de plus en plus de restrictions illicites sur les inscriptions à l'école de sourdité. On a réussi à baisser le nombre d'inscriptions dans le programme bilingue français LSQ d'une quarantaine d'élèves à une douzaine aujourd'hui. Face à ces données et aux rumeurs de fermeture des écoles provinciales, la résistance de la communauté francophone s'organise. C'est le projet Centre Jules Léger, j'y tiens. Mais face à la possibilité de fermeture de toutes les écoles provinciales pour les sourds, la communauté francophone LSQ se joint à la communauté anglophone ASL. Aussi, en avril 2016, ces deux communautés se joignent pour manifester à Queen's Park. I'd like to touch on the importance specifically of provincial schools. J'aimerais parler d'un sujet important, spécifiquement des écoles provinciales. Ces écoles fournissent un environnement en ASL ou LSQ à leurs étudiants sourds et malentendants. Ces programmes ne peuvent pas être offerts dans les écoles des conseils scolaires. Je pense que tous ceux et celles qui ont fréquenté une école provinciale la fréquentent présentement ou sont en attente d'y être admis savent que ce type de programmes ne sont pas offerts dans les écoles d'un conseil scolaire. Ces écoles provinciales pour élèves sourds sont vitales pour les communautés ASL et LSQ.
Nous ne voulons pas voir disparaître cette école qui nous ont donné des finisseurs qui sont maintenant photographes, éducatrices spécialisées, graphistes, comptables, graphistes, électriciens, esthéticiennes, plombiers, éducatrices, écrivains, enseignants, cuisiniers, éducateurs, comptables, mécaniciens et aides-enseignantes. Ils sont maintenant mariés et ont fondé des familles. Comme communauté, ils se manifestent dans des sports, dans des fêtes familiales, dans des rencontres sociales au niveau local, provincial, interprovincial, national et même international. Partout, ils sont tous fiers d'être franco-ontariens. Chacun dans son domaine, ou tous ensemble, ils apportent beaucoup à la communauté. Nous espérons que les 12 conseils scolaires de langue française comprendront l'importance cruciale pour la communauté sourde d'ouvrir grandes les portes du Centre Jules Léger aux enfants et aux jeunes sourds et malentendants francophones. Ils permettront ainsi à cette communauté de grandir et de s'épanouir chez elle dans la communauté franco-ontarienne globale.